notre speakerin qui nous aide à choisir les meilleurs programmes télé. Oui. Comment ça va, cher Bertrand? Bon, le pays est en alerte tempête. À partir de ce week-end, la nuit tombera à 15h et le Covid est toujours là. Petite forme, donc. Mais heureusement, dans 83 dodo, c'est... Noël, Patrick. Oui, je connais cette musique. Et avec lui, les téléfilms de Noël dans lesquels de jeunes journalistes sont mutés dans une rédaction du magazine local et tombent instantanément amoureuses du directeur, vivent heureuses et ont beaucoup d'enfants. Stop la musique, c'est insupportable. Vivement le retour de ces téléfilms gnangnan, parce qu'en ce moment, sur TF1, l'après-midi, si vous n'avez pas trop la patate, ils finissent de vous achever. Tout de suite, ma fille, enlevée à 12 ans et à 15h35, du rêve au cauchemar. Ma mère, mon poison, inspiré d'une histoire vraie. Qui est la tueuse, ma mère ou moi? Le cauchemar d'une fille au père, un enfant diabolique. Accusé de meurtre à 17 ans. Et à 15h35, la mort tira si bien. Alors, ça va pas mieux? Ah, pour le café, c'est pas impeccable. Et en plus, je me suis procuré la bande-annonce du téléfilm de lundi. Tout de suite, ma fille, 15 ans, Kujat, borgne, positive au Covid, ébouillantée à l'huile de friture sur 80% de son corps et dont la télécommande est bloquée sur CNews. Va-t-elle réussir à changer de chaîne avec le bout de son nez? Réponse lundi. Non, si vous voulez vraiment penser à autre chose, rêver, regardez La Maison France 5 ce soir, Corporate. Oui. Un programme qui provoque le même effet que regarder Le Meilleur Pâtissier quand on est diabétique ou le porno du premier samedi du mois quand on n'a pas de décodeur. Hein, Pierre, la passoire que de souvenirs. Ça provoque de la frustration. L'émission devrait plutôt s'appeler La Maison France 5 que tu ne pourras jamais te payer tellement ils vivent dans des appartements parisiens gigantesques alors que le mètre carré est à 15 000, mais c'est un peu long comme titre. Aujourd'hui, la surface totale entre les bureaux et vos appartements, ça fait combien? Ça fait 240 mètres carrés environ. Avec quoi? 120 d'un côté, 120 de l'autre? À peu près équivalent, tout à fait. L'appartement dans lequel nous sommes fait quelle surface à peu près? 330. 330 mètres carrés. Normal. Et toi, pendant ce temps-là, t'es en slip dans ton studio à boulotter de la glace. Divise par deux, histoire de diminuer évidemment. Le truc, 120 d'un côté, 120 de l'autre. C'est le palais France 5. C'est ça. Cette émission est fascinante parce qu'il n'y a que des gens parfaits pour qui tout va bien. Ils ont des jobs incroyables et vivent dans des apparts grands comme des stades. Même l'animateur Stéphane Thébault prend un malin plaisir à nous faire sentir qu'on a raté quelque chose dans nos vies. Parce qu'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est d'avoir des lampes chez moi que je pourrais retrouver ailleurs. Je veux que ce soit à chaque fois plutôt unique. Qu'est-ce qu'il a contre ces lampes? On a tous le crépon, c'est super sympa dans les salons. Mais enfin, Stéphane. Et je ne peux pas évoquer Stéphane Thébault sans saluer ses talents de drague, une véritable leçon dont on ne se lassera jamais. Et Stéphane, Thébault. C'est génial. Bonjour Sandy. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Mais très bien, merci. Pleine forme? Mais oui, ici à Lauzerte. Je vous avais dit, rendez-vous esplanade de la Barbacane, c'est facile à trouver, il y a un canon. Moi j'en vois deux. Voilà. Non, c'est vrai qu'on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Babette, votre père est un voleur. Il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans vos yeux. On termine avec une des infos de la semaine. Oui, vous en parliez hier, l'interdiction des fauves dans les cirques qui pose une question. Que vont devenir Félindra et ses tigres? Mais oui. J'ai peur que cette interdiction mette un coup au côté spectaculaire de Fort Boyard. Par quoi vont-ils remplacer le Félindra tête de tigre? Félindra, tête de lit. Elle est bonne, la blague. Allez, merci Pierre. Je crois qu'il est temps de partir en week-end. Félindra de tête de lit, c'est vrai que c'est moins spectaculaire. Vous savez où sont les tigres de Fort Boyard quand il n'y a pas Fort Boyard? Où ça? Au Puy du Fou. C'est les tigres du Puy du Fou. Eh bien, sur cette info passionnante, on vous libère, cher Emmanuel Carrère.